Après toute victoire, on risque d'avoir des déboires. Au plus haut point des sommets, on s'expose au danger de chuter. Avec toute spirituelle, on a les graines, d'une épreuve. Et avec le privilège d'une opportunité, on a toujours des dangers pour l'entraver. Avec chaque succès spirituel, il y a toujours l'orgueil qui se cache dans le noir et qui s'apprête à s'attribuer le mérite et l'honneur de ce que seul Dieu fait. Pour le peuple de Dieu, après sa victoire à Jéricho, il y a eu le piège ou la trappe d'Aï. Après la grande victoire et l'intervention surnaturelle de Dieu à Jéricho, il y a eu la défaite d'Aï. Je veux vous dire une chose dont vous pouvez être absolument sûr. Ce que Dieu construit, Satan est toujours prêt à détruire. Ce que Dieu fait, Satan est toujours prêt à défaire. Et quand Dieu bénit, Satan est toujours prêt à prendre ses bénédictions pour les changer en malédictions. Où que Dieu vous mène, Satan est là et il est toujours prêt. À vous faire faire un détour. Satan parle à certains d'entre vous aujourd'hui. Il vous bloque le cœur et l'esprit et la concentration. Je prie que l'Esprit de Dieu le lit. Si vous avez vos bibles, je vous prie d'ouvrir à Josué 6 et 7. Après le... de Jéricho, Écoutez ce que je vais vous dire. Après la victoire à Jéricho, qui était le fruit de leur obéissance inconditionnelle, qui était le résultat de leur soumission absolue, il y avait la petite ville d'Aï. Après le triomphe surnaturel que Dieu leur avait donné pour avoir obéi scrupuleusement et méticuleusement à Sa parole. Il y a eu la défaite d'Aï. Après la victoire de Jéricho, il y a eu le piège d'Aï. Et la même chose se produit de la même façon dans votre vie et dans ma vie. Qu'est-il donc arrivé après Jéricho Eh bien, ils se sont laissés griser par l'orgueil. Comment je le sais Eh bien, Dieu leur avait parlé dans Josué chapitre 6, verset 18. Dieu leur avait parlé, il leur avait donné une directive claire. Il leur avait donné un ordre clair, il leur avait donné des instructions claires, il leur avait donné l'ordre de mission. Oh, mais ça n'a pas plu à certains d'entre eux. Certains d'entre eux n'ont pas aimé les paroles que Dieu avait prononcées. Certains d'entre eux n'ont pas aimé ce que Dieu avait dit. Certains d'entre eux n'ont pas obéi inconditionnellement cette fois-ci. Cette fois-ci, certains d'entre eux ne se sont pas rendus compte. Que c'était Dieu qui leur avait remporté la victoire et non pas eux. Certains d'entre eux ne voulaient plus continuer à se soumettre au pouvoir, au pouvoir surnaturel et à la souveraineté du Seigneur Dieu. J'aime beaucoup cette illustration. En fait, je l'ai utilisée dans l'un de mes livres plusieurs fois en réalité parce que c'est une illustration tellement profonde. Pour moi personnellement et pour le leadership de cette église aussi. Le général Paton, qui était en fait un leader exceptionnel, a conçu une méthode exceptionnelle pour promouvoir ses officiers. Il alignait tous les lieutenants, tous les officiers qui devaient bientôt être promus. Et il leur disait, il disait, officier, je veux que vous creusiez un fossé derrière l'entrepôt et je veux que ce fossé soit de 3 mètres de long et je veux qu'il soit de 1 mètre de large et je veux qu'il soit de 15 centimètres de profondeur. Ensuite, ils s'en allaient et se cachaient dans une petite pièce dans l'entrepôt, juste à côté de la pièce où tous les outils de creusement étaient gardés. Et les officiers venaient pour prendre les outils dans la pièce pour creuser le fossé. Et à l'heure insu, le général Paton écoutait chaque mot qu'il disait. <laughs> Certains se plaignaient. C'est un travail humiliant pour des lieutenants. D'autres disaient, le général Paton n'aurait pas dû nous demander de faire ça. Il aurait dû au moins nous donner des outils électriques. D'autres ronchonnaient en disant que c'est absurde que c'est inutile de faire ça. D'autres se posaient des questions sur les dimensions, les dimensions spécifiques du fossé. <laughs> Mais finalement, il y avait juste cette seule personne qui disait, quel que soit ce que veut tel ou tel, faisons-le vite et finissons-en. Et c'était celui qui aura la promotion. <laughs> Maintenant, amis bien-aimé, je veux vous dire que Dieu aussi regarde d'en haut et qu'il cherche des hommes et des femmes, des garçons et des filles, qui sont prêts à obéir à sa parole, sans modification, sans aucune réserve, sans aucun doute et sans aucune hésitation. Écoutez attentivement, parce que ce que je vais vous dire n'est pas conforme à ce que le monde essaie de vous dire. Ce que je vais vous dire n'est pas très populaire. Bien que Dieu vous aime et il vous aime profondément, il n'est pas intéressé à vous voir améliorer ses commandements. Dieu vous aime et il vous aime profondément, mais il n'est pas intéressé à vous voir changer et modifier sa parole. Dieu vous aime et il vous aime profondément, mais il n'est pas intéressé par ce que vous ressentez concernant ses commandements. Dieu ne s'intéresse qu'à une et une seule chose, et c'est le degré de foi que vous êtes disposé à exercer dans votre obéissance inconditionnelle à lui. Dieu ne s'intéresse qu'au degré de confiance que vous êtes disposé à lui témoigner en suivant à la lettre son ordre de mission. Dieu ne s'intéresse qu'au degré d'engagement que vous êtes disposé à manifester dans votre vie dans votre obéissance inconditionnelle à lui. Dieu ne s'intéresse qu'à ça. Nous apprenons à nos enfants de douter de tout le monde et de toute chose. Et vous avez raison puisque nous sommes entourés de mauvais gens. Mais lorsqu'il s'agit de notre relation avec Dieu, il ne doit y avoir aucune question. Il ne doit y avoir aucune modification. Il ne doit y avoir aucun vote. Dieu n'aime pas la démocratie lorsqu'il s'agit de notre relation avec lui. Mais Dieu ne s'intéresse pas à votre opinion. Il ne s'intéresse pas non plus à la mienne. J'ai essayé à plusieurs reprises de l'exprimer, mais il a décidé de l'ignorer. Dieu a donné aux Israélites ce qui semblait être un ordre bizarre. C'était vraiment un ordre bizarre. Mais quand ils lui ont obéi, ils ont eu la victoire. Pensez-y, franchement, qu'est-ce que c'est que cette absurdité que de tourner autour de cette muraille fortifiée de Jéricho d'abord en silence, puis avec des cris. Non, mais ça n'a vraiment aucun sens. Il fallait tourner une fois par jour pour six jours consécutifs, puis sept fois le septième jour, puis sonner des trompettes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi tout ça? Ça n'a vraiment aucun sens. C'est complètement illogique. Qu'est-ce que ça peut bien faire à l'armée puissante des Canaanites qui regorgeait d'armes, de lances et de javelots? Comment, comment est ce possible que cette armée désordonnée et désorganisée puisse affronter et résister à ces canaénites, à ces géants de la terre, que pourrait faire cette bande de sonneurs de trompettes face à la sophistication des Canaénites? Nous voyons dans Josué que quand le peuple de Dieu obéissait, sans hésitation, quand ils se soumettaient au Seigneur Dieu, inconditionnellement, ils remportaient la victoire. Ils avaient vaincu un ennemi puissant, ils avaient détruit des forteresses, ils avaient dévasté des murailles fortifiées, ils avaient traversé les eaux, ils avaient escaladé des montagnes et ils avaient remporté un triomphe inespéré. Parce qu'ils avaient obéi à Dieu. Ils n'avaient pas douté de Dieu. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ce n'était pas facile pour eux d'être exposés aux railleries et aux moqueries des Canaanites. Ce n'était pas facile pour eux d'être un objet de dérision. Ce n'était pas facile pour eux d'être la risée des Canaanites. Ce n'était pas facile, ça ne fait aucun doute. Mais qui a ri le dernier, en fin de compte hein? Qui a remporté la victoire Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Ah, mais vous ne devez jamais, 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 jamais oublier qu'après la victoire de Jéricho, il y avait le danger d'Aï. Ne l'oubliez jamais, marquez le dans votre esprit, marquez-le dans votre Bible. Après chaque Jéricho, il y a toujours un Aï. Une des choses que j'avais lues il y a très longtemps et qui est restée gravée dans ma mémoire est l'histoire du maréchal de l'armée Montgomery, surnommé Monty, qui a été désigné pour être commandant des forces alliées pendant la guerre en Afrique du Nord. Avant que Monty vienne commander les forces alliées, ces forces alliées étaient battues de plein fouet par Rommel, par les Allemands, sous les ordres de Rommel, qui était surnommé Renard du désert. Renard du désert. Non, mais les Alliés essuyaient des défaites, une défaite après l'autre, une défaite après l'autre, des défaites continues. Je veux vous dire une chose, écoutez-moi attentivement, ça vous concerne individuellement dans votre vie, et dans votre maison, et dans votre travail. Ça concerne tous les chrétiens. Voyez parce que la graine de la défaite des forces alliées en Afrique du Nord est la même graine de défaite que Satan sème dans la vie de chacun de nous. Montgomery a appris que quand son prédécesseur le commandant des forces alliées en Afrique du Nord donnait un ordre cet ordre était mis en doute à tous les échelons de l'hiérarchie tous les officiers voulaient le changer, le modifier. Tous les officiers pensaient qu'ils pouvaient l'améliorer. Tous les officiers voulaient modifier ce commandement. Tous les officiers voulaient choisir ce qu'ils voulaient obéir. Tous les officiers voulaient obéir aux ordres qui leur plaisaient et désobéir aux ordres qui ne leur plaisaient pas. Et cela était précisément le secret de la défaite continue. Maintenant, amis bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous êtes vaincu spirituellement, si vous menez une vie de frustration et de colère, si vous êtes asservi à n'importe quelle forme de dépendance, que ce soit l'alcoolisme ou que ce soit les drogues ou que ce soit la pornographie, si vous êtes spirituellement refroidi, si vous vous apitoyez sur vous-même de façon continue, si vous dites perpétuellement et invariablement, Oh, pauvre de moi! Si vous faites continuellement des fêtes d'apitoiement sur soi, je veux vous dire une chose, vous allez continuellement être vaincu. Parce que la raison de votre défaite, c'est que vous mettez la parole de Dieu en doute. La raison de votre défaite personnelle et de votre défaite collective, c'est que vous essayez de contourner la parole de Dieu. La raison de votre défaite, c'est que vous refusez de comprendre ce que veut dire l'autorité spirituelle de la Bible. La raison, c'est que nous sommes trop occupés à ne penser qu'à nous-mêmes et à notre petit monde et nous oublions Dieu et son royaume. Voilà ce que le maréchal Montgomery a dit. Il a dit j'étais décidé à changer cet état des choses immédiatement. Et c'est précisément ce que vous et moi devons faire aujourd'hui. Nous devons nous aligner à la vision de Dieu pour cette église. Je vous l'ai dit dimanche dernier, et ouvertement, j'ai dit que si vous cherchez une église où vous allez le dimanche pour jouer aux croyants, vous devez tout simplement adhérer à une autre église. Quelqu'un m'a dit, je suis venu là parce que tu as dit ça. Ça me fait plaisir. Dieu regarde d'en haut l'église des apôtres, et il veut que tous ses membres soient des soldats de Jésus-Christ, et non pas de venir les dimanches pour jouer aux croyants. Dieu regarde d'en haut l'église des apôtres, et il veut que tous ses membres soient des témoins de Jésus-Christ. Dieu regarde l'église des apôtres, et il veut que tous ses membres soient des missionnaires, sinon c'est nous qui allons devenir un champ de mission. Voilà ce qui arrive. Dieu veut que tous les garçons et toutes les filles, Dieu veut que tous les étudiants de cette église, Dieu veut que tous les adultes de cette église, Soit des missionnaires et non pas un champ de mission. Amen. Et sous le commandement de Montgomery, personne ne pouvait mettre ses ordres en doute. Et c'est leur soumission inconditionnelle à l'autorité du maréchal qui a fait triompher les forces alliées en Afrique du Nord. Et c'était précisément le secret de la victoire de Jéricho. Et connaît-il du péril d'Aïe Eh bien, regardez le passage que nous étudions. Josué 7 1, 13 qui parle du péril de la défaite. Quand ils ont obéi, ils ont remporté une grande et inconcevable victoire. Mais quand ils ont désobéi, ils ont subi la défaite face à une poignée. Ce n'était pas une armée, non, c'était plutôt une poignée de gens dans cette ville minuscule et ils ont été anéantis. Qu'est-ce qui se passe là Plusieurs choses tout d'abord ils ont permis à leur orgueil de prendre la relève. Ils se sont dit, regardez ce que nous avons fait. <laughs> Laissez-moi vous donner une règle générale. Celui qui dit, regardez ce que nous avons fait, est normalement celui qui fait moins que les autres. Ceux qui travaillent le plus disent, regardez ce que Dieu a fait. Et ils donnent la gloire à Dieu. Donc les Israélites se sont dit, voyez maintenant, nous sommes vraiment importants. Non, mais nous sommes vraiment bien. Il n'y a rien qui nous est impossible maintenant. Écoutez, nous avons pris Jéricho. Maintenant, nous pouvons prendre n'importe quoi. Ils pensaient qu'ils étaient si formidables que Dieu ne pouvait littéralement que les bénir et continuer à les bénir. Non, mais ils en étaient arrivés à penser qu'ils étaient si sensationnels qu'ils n'avaient pas besoin de faire quoi que ce soit, excepté demander à Dieu de leur donner et leur donner et leur donner et leur donner et leur donner. Et leur donner. Vous voyez, ils pensaient qu'ils étaient tellement extraordinaires. Dieu n'avait pas d'autre choix que de faire ce que eux voulaient qu'il fasse. N'est-ce pas l'esprit de ce siècle J'ai horreur de vous le dire, faux, absolument faux. Écoutez, il y a des gens partout dans ce monde, partout dans ce pays qui prient tous les jours. Bénis-moi, 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 donne-moi, donne-moi, donne-moi. Laissez-moi vous expliquer une chose. Je veux le faire en invoquant l'autorité de la parole de Dieu. Si vous vivez dans la désobéissance, si vous refusez de vous soumettre à l'autorité de Dieu et à l'autorité de sa parole, si vous refusez d'obéir au commandement de Dieu, même les bénédictions que vous avez vont se transformer en malédictions. Vous savez, je ne comprends pas. Voici ce que Paul a dit. Vous pensez qu'il a dit, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, qu'a-t-il dit Offrez vos corps. Comme un sacrifice raisonnable au Seigneur. Que fait donc le sacrifice Il repose sur l'autel. À propos, nous n'appelons pas ça un autel, car le seul autel dans le Nouveau Testament, c'est le dernier autel qui est la croix du calvaire. Ça, c'est la table de communion. Mais qu'est-ce qu'un autel Que faites-vous à l'autel Vous arrivez à l'autel et vous reposez. Et ensuite, vous sacrifiez tout, toutes vos pensées, tous vos actes, toutes les bénédictions que Dieu vous a données, et vous dites, Dieu, elles t'appartiennent. Tu me les as données, elles sont les tiennes. Dieu ne me donne pas seulement, mais prends tout ce que tu veux de moi. J'ai une nouvelle à vous apprendre. Priez cette prière et Dieu va vous bénir. Vous voyez, nous avons les idées embrouillées. Nous nous perdons totalement. Nous ne comprenons pas que notre bénédiction vient quand nous nous offrons comme un sacrifice à Dieu. À ce moment-là vient la bénédiction. quand fils de Carmi, une personne. Il voulait tellement que Dieu le bénisse, mais, ce faisant, il a désobéi au commandement de Dieu. quand a abusé de la bonté de Dieu à tel point qu'il a décidé de faire ce qui lui était profitable et de piquer les bénédictions de Dieu en transigeant sur son commandement. Jésus dit qu'il y avait un homme, c'était un homme qui a été béni de Dieu et qui a regardé ses bénédictions et qui a dit je peux faire plus, je peux avoir mieux. Il a regardé autour de lui, il a réalisé qu'il devait agrandir l'envergure de ses affaires. En fait, il l'a fait. Et puis, il s'est dit dans son cœur, Oh, comment bénirai-je les autres maintenant? Non, ce n'était pas ce qu'il s'est dit. Comment bénirai-je le royaume de Dieu maintenant? Ce n'était pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, Je passerai maintenant le restant de ma vie à me réjouir de toutes ces bénédictions et j'en aurai davantage et davantage et davantage et je m'en réjouirai et je me dirai, mon âme, réjouis-toi de ce que tu as. N'est-ce pas l'esprit des temps modernes Ne l'est-il pas Amassez autant que vous pouvez, conservez tout ce que vous amassez et fermez le couvercle. À quand, en fait, l'a fait Je me demande combien d'entre nous le font. Mais écoutez-moi, les paroles de Jésus sont tellement pénétrantes. Jésus a dit, oh, « Ô insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et ce que tu as amassé et conservé, pour qui cela sera-t-il Le peuple d'Israël a été carrément battu par la petite ville d'Aï, par un groupe minuscule de gens. Après avoir connu la grande victoire dans la grande ville, après avoir connu la victoire et les choses grandioses, après avoir connu la victoire et les affaires importantes, ils sont maintenant battus dans cette ville minuscule. Et pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la bataille, parce qu'ils comptaient seulement sur leur victoire passée, parce qu'ils étaient tellement fiers de leur soi-disant exploit, parce qu'ils étaient trop fiers pour compter sur Dieu de nouveau, parce qu'ils pensaient que la victoire allait de soi, parce qu'ils ont arrêté les réunions de prière, parce qu'ils s'occupaient des bénédictions et oubliaient celui qui les a bénis, parce qu'ils se fiaient à leur toute nouvelle bénédiction. Et quand Josué a imploré Dieu, Dieu lui a dit, Josué, tu m'implores, mais un peu trop tard. Si toi et les dirigeants du peuple aviez prié, je vous aurais montré le péché dans votre camp. Lève-toi. Lève-toi. Écoutez-moi bien, je suis prêt de clôturer. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ne croyez pas que ce que vous faites n'affecte que vous. Ne croyez pas que votre désobéissance n'affecte pas toute la communauté. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce n'est pas ce que nous apprend la parole de Dieu. La défaite est venue à Aï au peuple de Dieu à cause de la désobéissance d'une personne. La défaite est venue à Haï, à cause de leur chef qui ne priait pas. La défaite est venue à Aïe parce qu'ils ont cru que les bénédictions de Dieu leur étaient dues et ils ont commencé à abuser de la bonté de Dieu. La question de l'heure est la suivante. Dieu nous regardera-t-il de son trône et dira-t-il à l'un de nous, rien qu'à un, rien qu'à un, ô insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as amassé pour qui cela sera-t-il Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret, retrouvez la joie que vous avez toujours désirée et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.